Bonsoir réseau Facebook, bienvenue sur le live Marie-Christine Eustache en direct pour ce 25e jour sur 30 de ce Delphi Live que je me suis lancée, moi toute seule. Et ce soir, qu'est-ce que je souhaitais vous partager? Eh bien, demandez, vous recevrez. Pourquoi ce sujet? Oh, je l'ai déjà abordé dans d'autres vidéos. Et qu'est-ce qui se passe? Bonsoir, je vois qu'il y a un petit œil qui arrive. Coucou Emeline, notre avocat officialiste. Voilà, j'ai parlé de toi, justement, j'ai fait recommandation de tes services auprès de mes collègues qui cherchaient des professionnels compétents. Donc merci de passer faire un coucou sur le live. Et donc elles te contacteront peut-être pour avoir des informations. Voilà. C'est important de se faire entourer et je suis ravie d'avoir créé justement à travers le BNI un business network international pour les personnes qui ne connaissent pas, un réseau de professionnels compétents, que ce soit expert comptable, avocat fiscaliste, conseiller en gestion de patrimoine, assureur, bon évidemment des artisans, que ce soit pour les maisons, que ce soit pour le bâtiment, enfin tout plein de choses. Voilà, c'est juste génial d'avoir ce réseau-là. Je suis très très heureuse de ça. Et donc ce soir, demandez, vous recevrez. Pourquoi? Eh bien, cet après-midi, quand j'étais dans mon travail salarié en tant que conseillère clientèle, j'ai une nouvelle recrue qui est venue écouter ce que je faisais. Et donc on a pu discuter un petit peu ensemble aussi de nos parcours de vie, savoir comment on était arrivé là dans la même boutique. Et puis il me dit, ah ouais, donc franchement c'est super cool quoi, parce que tu as trouvé le job salarié dans l'environnement que tu voulais. Ben oui, et je lui dis, mais c'est pas plus compliqué que de demander, d'être clair sur ce qu'on demande. Et j'avais posé les critères noir sur blanc, vraiment précisément, tout comme nous les avons posés avec mon chéri pour trouver cette maison à Saint-Plus. Tant qu'on pose les critères précisément de ce que l'on veut, eh bien l'univers nous envoie ce que l'on veut. Et pas plus tard que tout à l'heure, j'ai dit à mon chéri, bah tiens, viens, on va aller faire un tour à la porte ouverte de l'esthéticienne chez qui je suis passée la semaine dernière pour un soin des pieds. Elle faisait une porte ouverte et dans l'idée, je me suis dit, tiens, ce serait sympa de gagner, et je l'ai dit juste à l'intérieur de moi, ce serait sympa de gagner une pose de vernis pour la semaine prochaine, parce qu'on va faire un repas avec ma maman, elle n'est pas au courant pour la fête des mères, son anniversaire qui est en même temps, etc. Je me dis, ce serait sympa si je pouvais aller faire une pose de vernis avant. Et bien voilà, mon chéri a gagné une pose de vernis. Donc évidemment qu'il m'a offert, parce que voilà, pour lui la pose de vernis ça va pas trop le faire. Et donc voilà. Donc c'est vrai que c'est important d'avoir, comment dire, de savoir que ça fonctionne. Ça fait longtemps moi que j'ai commencé à comprendre ce truc là et j'ai commencé à le faire pour des trucs très très simples comme les places de parking. Et quand je raconte cette histoire à des personnes, ils me disent, non mais c'est quoi ton truc là? Bonsoir, je vois qu'il y a du monde qui arrive. Eh bien tout simplement, quand j'allais en centre-ville de Nantes, le centre-ville de Nantes c'est assez sport au niveau du stationnement à certains quartiers. Et comme j'étais un petit peu pressée pour un rendez-vous, je demande, je dis bon, s'il vous plaît les anges, une place de parking à tel endroit pour que j'aille rapidement au rendez-vous prévu. Évidemment, à l'endroit où je devais me stationner, bah, pas de place. Je dis mince, c'est pas possible et tout. Et je vais un petit peu plus loin. Et je trouve une place. Je dis, ah, ouf, c'est super, merci, une place. Puis là, ah oui, c'est vrai, il fallait que je passe à cette boutique, prendre, je ne sais plus de quoi j'avais besoin à ce moment-là, et ça m'était complètement sorti de la tête. C'était pas très loin du rendez-vous. Demandez, vous recevrez. Voilà, j'ai demandé la place de parking. J'avais pensé à ça, ils ont même devancé ma demande en me mettant une place de parking près de la boutique à laquelle je ne pensais plus. Et je suis sûre que le soir, en plus, je serai en train de dire, ah, mais mince, c'est ballot. J'aurais dû en profiter pour y passer. Et ben là, voilà. La demande était faite inconsciemment et le résultat est apparu. Voilà, alors c'est quelque chose, je sais pas, Emeline, si tu regardes encore, si tu es encore connectée, est-ce que c'est quelque chose que tu as expérimenté toi-même? L'autre jour, je ne sais plus avec qui j'en parlais, qui me disait,
Ouais, c'est vrai, moi je fais ça, mais bon, ouais, juste pour les places de parking, quoi. Et ouais, mais on peut le faire pour d'autres choses. Voilà, c'est comme ça que j'ai trouvé un job salarié qui me convenait, le temps de rétablir ma santé physiologique. C'est comme ça que je trouve les bonnes personnes pour m'accompagner. C'est comme ça qu'on a trouvé la maison ici. C'est comme ça que il y a eu plein, 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 plein de choses que. Voilà, c'est comme ça que j'ai gagné tout à l'heure la pose de vernis. Il y a plein de choses qui arrivent comme ça, tant qu'on y croit. Et tant qu'on y croit et qu'on n'est pas dans l'attente d'un résultat. Voilà. Hein. C'est-à-dire que l'univers va toujours nous envoyer la meilleure solution pour nous, même si ce n'est pas toujours celle à laquelle on a pensé. Alors, si c'est une histoire de place de parking, comme je vous ai raconté, qu'elle est juste un petit peu plus loin, mais que du coup ça nous fait penser qu'on doit aller faire autre chose, bon, ça peut aller. Mais il y a des fois, on peut faire une demande et la réponse peut être un peu inconfortable, voire carrément difficile à prendre en compte, bah parce que il nous arrive un cadeau mal emballé. Ces fameux cadeaux mal emballés qui sont bah des challenges du coup à vivre, mais qui sont là pour nous faire grandir, nous faire évoluer. Et voilà, l'univers, il est toujours de bon apport pour nous. Voilà, il n'y a pas de choses. Il y en a certains qui disent non mais c'est pas possible, la vie elle m'en veut, il m'arrive que des galères, etc. Non, c'est juste que la personne ne regarde pas dans la bonne direction et qu'elle reste focus sur les galères. Alors qu'en fait, il suffit juste de changer la direction du regard pour voir les bénéfices. C'est pas forcément évident, et si vous avez des difficultés à ça, bah écoutez, au plaisir de vous accompagner sur ce chemin, parce que maintenant je commence à être bien musclé là-dessus. J'ai un bon entraînement à prendre du recul, moi, sur les événements de la vie qui ont pu m'arriver. Quand même, j'en ai fait pas mal de galères. Et vous aider justement à prendre le recul, à hop, mettre la caméra un petit peu plus haut pour voir ce qui se passe et voir où est le cadeau. Voilà, donc pensez à demander et vous recevrez. D'ailleurs, si vous avez des demandes à faire, si vous avez une question, si vous souhaitez que j'aborde quelque chose de particulier, eh bien profitez-en, mettez-le en commentaire et à bientôt pour un nouveau live demain. Bonne soirée!